Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour le troisième vlog à Barcelone. Il est actuellement 13h. J'ai terminé le montage du vlog 2, donc je suis grave contente. Et aujourd'hui, promis, on va faire des trucs intéressants. Je pense que je vais aller visiter le parc Güell. Il fait pas archi beau. Oh, quoique. C'est un mélange de ciel bleu et gris. Mais franchement, ça va. Il fait pas si moche. Donc je pense que c'est pas mal pour aller se balader. Je pense que je vais y aller toute seule parce que du coup, on est lundi. Les gens ont repris le boulot. Donc il y en a plein qui sont tous sur leur ordi. Bah voilà, à bosser quoi. Mais après, peut-être que je vais rejoindre d'autres personnes. Enfin, je sais pas trop. À voir comment ça se passe. Mais let's go. Je vais marcher. Beaucoup marcher aujourd'hui, je pense. Ma tenue du jour. Je pense que j'ai vraiment envie que le soleil vienne. Genre, je mets des robes et tout. Comme s'il faisait trop chaud alors que... Bon, il fait genre 14 degrés, je crois, aujourd'hui. Donc en vrai, ça va. En vrai, là, je filme et je parle et tout, mais ça se trouve, il y a des gens dans les lits qui sont là, juste là. Mais je vois pas. Peut-être que quelqu'un m'entend. Il y a un peu de soleil. Je suis trop contente. Première fois que je vois le soleil en 3 jours à Barcelone. Faire un petit topo sur mon voyage là, parce que en fait souvent quand je fais du montage je me dis oh ça j'aurais trop aimé leur dire, et ensuite j'oublie. Du coup là je vais essayer de vous dire quelques trucs. Attendez, je viens de monter une super côte pour aller au parc Güell. Parc Güell, je sais pas comment on dit. Je suis essoufflée. Ce que je voulais dire, c'est que en vrai là moi ça se passe trop bien parce que les gens sont hyper gentils. Et, vous savez, moi je suis un peu timide, donc on me fait souvent la blague genre oh arrête de trop parler, genre t'es trop bavarde, parce que justement je suis tout l'inverse. Je parle pas beaucoup quand je suis dans les groupes et tout. Mais en fait, de une, déjà je parle pas beaucoup parce que je suis timide. De deux, je dois parler en anglais, donc des fois j'ai envie de dire des trucs, je sais même pas comment on dit, donc j'abandonne. Mais en fait ils sont trop bienveillants, ceux avec qui j'ai traîné en tout cas. Parce que même quand je parle pas et que genre je suis un peu dans mon coin, ils me posent des questions en mode « Et toi Christiane ?» et tout. Et genre c'est trop cool. Après, je voulais préciser aussi, parce que j'ai pas précisé dans les deux premiers vlogs, là je suis tombée sur vraiment des personnes très bienveillantes. J'ai fait confiance directe dès le premier jour, je suis sortie en boîte avec eux et tout. Mais parce que aussi on habite au même endroit et je sais que cet endroit là, enfin c'est plutôt safe quoi. En gros, juste faites attention si vous partez seul. Enfin faites attention tout court, hein, même dans la vraie vie. Parce que je pense qu'on peut vraiment tomber sur des fous partout. Donc voilà, c'était la petite minute vigilance. Hello. Hi, can I buy one ticket? Yes. Oh, okay, thank yeah, you. Send you per person, yeah? Yeah, okay. Alors j'ai visité le parc Güell, c'était vraiment super beau, hyper grand. Il y a moyen que j'ai loupé des trucs, mais au pire c'est pas très grave. C'était hyper cool parce qu'en plus il fait beau et tout. Et là du coup je suis de retour à la mer. Enfin pas tout de suite, mais il faut que je marche un peu. Et là je rejoins des gens du Airbnb parce qu'ils vont faire du skate et ils m'ont dit « Est-ce que tu veux essayer de faire du skate ?» Et j'ai dit « Bah allez go !» Thank you.
Hey, ça y est, on est rentré à l'appartement. Je vous ai pas trop montré, mais en gros, il n'y a pas grand chose à vous montrer à chaque fois quand je vais boire des verres avec des gens, parce que juste on discute, mais j'ai rien à montrer quoi. Donc là, on est rentré il y a genre une heure. Il est bientôt minuit, je suis en train de faire le montage de ce vlog actuellement. Inception, le truc. Et je suis fatiguée, mais faut que j'avance un max parce que demain matin on part très tôt. On est en groupe de 10, je crois, 9. On va aller visiter le Mont Serrat, je crois que ça s'appelle comme ça. Il y a un monastère et c'est genre à 50 minutes d'ici, en train. Bref, on part très tôt. Je vais pas pouvoir faire du montage demain matin, donc il faut que je m'avance au max. Mais voilà, là je suis en train de faire du montage. Puis il faut que j'aille prendre ma douche et ensuite je vais dormir. Et je vais pas beaucoup dormir, je pense. Mais c'est trop cool.